Sabri, et je suis également membre du comité du jeu. Et inciter les gens à donner le sang pour sauver des vies. Et on sait qu'avec la pandémie, on a beaucoup de problèmes. En ce moment, les centres de transfusion ont des problèmes pour collecter du sang. En raison pour laquelle nous avons organisé cet événement pour pouvoir collecter beaucoup de poches pour sauver des vies. On a fait une communication sur le net. Et là, les gens répondent. Mais quand même, mais il y en a qui sont assez conscients, qui savent que c'est important et qui viennent naturellement. Qu'est-ce que vous dites à la jeunesse? D'abord, parce que nous, comme on dit, les femmes doivent être des porteurs sains. Donc, faire tout pour respecter les mesures du jeûne, la distanciation sociale, éviter les rassemblements. Parce que c'est nous qui pouvons, la jeunesse en tout cas, c'est la jeunesse qui peut aider en tout cas le pays à, je ne sais pas comment on dit ça. L'avenir. Utiliser cela en collaboration avec Sabrix, parce qu'on est majoritairement des jeunes aussi dans la société. Voilà, donc on essaie d'organiser tous les signes, hein, parce qu'on peut donner du temps tous les signes. Hein. Faire de sorte que les gens viennent pour qu'on puisse sauver en tout cas le maximum. Parce que eux aussi, des fois, ils font appel à nous parce qu'ils ont des problèmes, ils n'ont pas assez de proches. Donc voilà, ils font appel à nous et nous aussi, nous sommes là pour aider. On essaie d'organiser ça tous les 6 mois. On construit des immeubles, on vend des appartements, on loue, principalement. On est constitué en holding, on a Sabrix Construction qui construit, Sabrix Immobilier qui vend les appartements, on a Immobus qui est plus dans la location, la gestion de locatives et la gestion de services également. On a Adila dans les villas également. Récemment, on a Uno, on est dans l'assainissement, mais notre principale activité, c'est la promotion immobilière.